Bonjour à tous, bienvenue sur le Petit Éridicien. Tout de suite, retour sur Weekend Ski. Bonjour Malika. Alors, est-ce que tu peux nous faire un retour un peu de ce fameux Weekend Ski? Eh bien écoute, ça s'est très bien passé, vraiment on a passé un week-end super. On a pu profiter des pistes de Méribel, où chacun a pu faire du ski ou du snowboard. D'accord, et quel a été le retour des participants du week-end? Eh bien il y avait vraiment une super ambiance, en fait, vu qu'on n'est pas forcément en cours ensemble, ça a permis aux différentes promotions de faire connaissance. Le Big Data, une idylle ou une réalité? Le groupe Conférence de Lyon a eu l'honneur d'accueillir Florent Haro, gérant de la société Zest, pour une conférence sur le Big Data sur le campus de Lyon le 22 février dernier. Retour en image. La data, c'est un nuage de points. C'est-à-dire que la data, c'est vraiment, je mesure dans cette pièce la température, je peux avoir quelque chose qui compte les personnes, je mesure l'hygrométrie, je mesure la luminosité. Ça, c'est de la data. Qu'est-ce que le Big Data pour l'intelligence artificielle? Imaginez, on vous a appris en mathématiques qu'il n'y a pas croisé des choux et des carottes. Eh bien là, on le fait. C'est-à-dire que je prends le taux de luminosité, je le divise par la température, que je multiplie par le nombre de personnes. Ça veut rien dire. Ouais, mais ça me fait une data. Imaginez une masse de données énorme. Donc une map complète avec plein de points. D'accord? Mais par contre, si on avait plein de pièces comme celle-là, plein de réunions comme celle-là, et que je fais ce nuage de points de data, figurez-vous que si on les superpose, à un moment, on va avoir une densité des points. Ça va? Jusque-là? Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une map qui a montré l'habitude. Mais l'intelligence collective sera beaucoup plus forte que l'intelligence technique. Tout de suite, coup de projecteur sur les projets Euridis. Euridis fait également dans le solidaire. Le groupe de Jacques Roquenel de la promo 77 ont choisi de s'engager dans une œuvre sociale sous le nom d'Euridis. Ils se sont associés à la MAS de Saint-Jean qui vient en aide aux personnes handicapées moteurs. Le but de ce projet est d'organiser un week-end au Futuroscope avec un groupe de résidents. Après le solidaire, place maintenant à l'humanitaire. Le groupe projet d'Iman Kenouch ont repris le projet de l'association Give a Smile qui a initialement vu le jour l'année dernière par des étudiants d'Euridis. Cette association souhaite faciliter l'accès à l'éducation dans les zones reculées du monde. Après le désert marocain de la région de Mer Zouga, c'est au tour du village de Diaglé, au Sénégal, de recevoir cette aide. Ce groupe projet souhaite récolter des fonds pour construire un dispensaire au sein d'un collège de 200 mètres carrés. Cagnotte professionnelle, gala de charité et plein d'autres opérations vont être organisées. Et pour finir, le projet des portes ouvertes de Lyon. L'équipe de Sofiane Tegani organise 5 journées de JPO en prenant en compte l'organisation et la gestion événementielle en amont et le jour J, la recherche et l'animation d'ateliers et la communication. Le but est de faire découvrir l'école Euridis, ainsi que les cursus en alternance et la formation continue. Un minimum de 40 personnes est attendu à chacun des événements. À ne surtout pas rater. Le mercredi 21 et le jeudi 22 mars aura lieu la finale des négociations à Épinal. On compte sur vous pour soutenir nos Euridiciens comme il se doit. Pour les sportifs, la Euridis Champions League lyonnaise revient le 29 mars prochain, une occasion pour nos challengers d'avoir une nouvelle revanche. Et pour nos amateurs de ping-pong, le 4 avril aura lieu un tournoi sur les 3 campus. Les gamers, on vous oublie pas, rendez-vous le 5 avril pour la soirée jeux vidéo chez Euridis, organisée par le BDE Voyage et Week-end de Lyon. Ce mois-ci, dans la rubrique des curieux, Christine Vermorel nous parle du social selling. Voici quelques extraits de notre interview. Ah, comme je vous le disais, la collaboration donc des ventes, du marketing et de la communication doit générer des leads qualifiés. En fait, plus on a de contenu, plus on a un retour sur investissement intéressant. Donc il est important vraiment de se positionner en tant qu'expert sur les réseaux sociaux de manière à pouvoir répondre à la demande du client, celle qui est sous-jacente. Voilà, le Petit Euridicien, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que la newsletter vous a plu. Et on se retrouve donc pour la prochaine édition.